Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Rito, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. Moi je vais super 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 très bien, grâce à Dieu. J'espère que votre week-end il se déroule bien. C'est votre homme serviteur Rito. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va contenir deux sujets. Excusez-moi. Je vais aborder deux sujets dans cette vidéo-là. Un sujet concernant mon artiste de Bordeaux, Likouva, et son Agaza Gaza. Et un deuxième sujet qui va concerner Arel Sheni et Didier Arafat. Et ce sujet-là, je préfère les choses en débattre en dernière position. Mais avant, je vais revenir encore sur ma vidéo d'hier. Je rassure tous les fans de Didier Arafat et de Bordeaux concernant le 29 décembre. Voilà, je fais une simple analyse. Même si il s'avérait qu'il y avait un soi-disant contrat entre Didier Arafat et le Mola concernant la fin du film le 1er janvier 2019, ça n'empêche pas. Je répète toujours, c'est nous qui payons les tickets. C'est nous les fans qui faisons le concert. Donc ça ne dérange pas. Donc ne venez pas nous embrouiller, ne venez pas casser l'élan, casser la ferveur de ce concert-là, la ferveur qui est autour de ce concert-là. Je vous demande pardon, hein? Parler d'autre chose, trouver un autre sujet à débattre, mais pas celui-là. Le 20 décembre, nous, on est déjà bouclé, on est déjà calé, on attend simplement la vente des tickets et nous, on va remplir le coin. Voilà, c'est ce que j'aimerais souligner avant de continuer ma vidéo, quoi. Parce que franchement, quand je vois des personnes qui sont en train de polémiquer autour de cet événement-là, franchement, je ne sais pas si c'est pour le boycotter, mais je peux vous rassurer que vous ne pouvez pas le boycotter. La seule personne qui peut boycotter, qui peut accepter boycott de cet événement-là, il s'appelle Dieu. Voilà. Et Dieu, comme c'est quelqu'un qui est très juste, voilà, c'est lui qui décide de tout. Quelle que soit la situation, le 29 décembre aura bien bien lieu. Voilà, elle aura bel et bien lieu. Voilà, donc soyez rassurés, très chers fans. Soyez tranquilles et sereins. Voilà. Ceci étant, on parle de Debordo Likoufa. Vous savez, Debordo Likoufa est un artiste ivoirien coupé décalé qui est très critiqué. Très critiqué pourquoi? Pour sa lenteur dans ses œuvres. Mais je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos, vous trouvez pas ça un peu trop chiant maintenant? Ça fait, on va dire, plus de 15 ans que vous parlez de ça, vous vous plaignez de ça ne change pas. Et malheureusement pour vous, quand le mec il fait sortir une nouvelle œuvre, vous vous cachez pour danser, vous transpirez dessus, vous lui faites des éloges. Mais dès lors qu'il se presse pas de faire sortir un autre son encore pour suivre ce son-là, il vaut rien, il est paresseux, il quoi encore, je sais pas quoi je vais dire, en tout cas, il vaut rien. Voilà, il travaille pas. Pendant que ses amis travaillent, lui travaille pas. Ça, c'est des histoires. Moi, je suis plus sur ce débat-là. La seule fois où j'ai venu dire la vérité à mon artiste, c'est sur son comportement. Voilà. Ne me dites pas pourquoi il clash ceci, cela, et puis je réponds pas. Moi, j'appelle pas ça des clashs. Voilà, j'appelle ça juste envoyer des pics. Ça, c'est pour la musique même. Ça, même, comme on dit, ils savent ça dans les jargons. Mais quand je vois mon artiste, par exemple, venir insulter une femme, venir, par exemple, insulter une mère, voilà, là je peux pas me taire, là je dis ce que je pense, vous comprenez un peu? Mais vos histoires de faut réagir parce qu'il a insulté tant, il a clashé tant, ça c'est pas mon problème, ça c'est à son niveau quoi, voilà, je suis pas là que pour ça, j'ai beaucoup de choses à faire sur YouTube, c'est ce que je dis toujours, voilà, je vais beaucoup vous surprendre, peut-être certains vont se décourager, mais je sais où je vais, je sais où je vais, puis je sais ce que je fais, je sais ce que j'apporte à cette petite musique ivoirienne, voilà. Ceci étant, je vous explique que Agazaga, c'est ce 1er novembre 2018. Ce 1er novembre 2018, à partir de minuit. C'est-à-dire quand vous passez la journée du mercredi, à minuit, j'ai dit, Agazaga est là. Donc j'aimerais simplement revenir sur ce que j'avais donné, les directives que j'avais données. Je vous en supplie. Actuellement, tout le monde attend des Bordeaux au tournant. Voilà. La seule et unique manière de fermer la bouche de ces personnes-là, qui n'attendent que le déclin de notre artiste de Bordeaux, c'est de leur montrer où ils font notre fanatisme. Ce 1er novembre-là. On doit, c'est-à-dire, on doit casser la chaîne de notre artiste. C'est-à-dire, on doit partager de malades. On doit partager ça de malades, les amis. Parce qu'il est attendu, non seulement en Côte d'Ivoire ici, dans la sous-région, en Afrique, à l'extérieur de l'Afrique, dans tout le monde entier, à Gaza est attendu. Et tous les autres hits de trucs des Bordeaux qui vont sortir,
Ce ne sont pas les fans de quelqu'un d'autre qui vont venir faire ça à notre place. S'ils nous soutiennent, tant mieux. Mais ça commence d'abord par nous. C'est nous qui devons faire ce travail-là. Et je vous sais très fan. Quels que soient vos, comment dire, Abidjan, vos nkunkun, vos murmures, je sais que vous restez demeurez fan, grand fan de la TIS. Moi, je veux vous voir sur ce 1er novembre-là. N'oubliez pas l'objectif. 1 million de vies en 3 jours, c'est rien même. C'est rien. Si on applique tout bêtement ce que j'ai dit là, je répète que je n'ai pas la science infuse, mais si on applique tout bêtement ce que j'ai dit, vous serez simplement très fiers. Les vidéos sont encore là. Vous pouvez aller encore écouter, réécouter. Stratégie pour Gaza Gaza. C'est là sur ma chaîne. Partez visionner. Parce que moi, c'est ce que je vais faire. Mes amis vont se plaindre, mais ils vont aller regarder le clip. Le clip audio de choses des Bordeaux Likoufa. Donc franchement, les amis, la Légion, et je lance aussi un appel à la Chine. On est trop critiqué. On doit faire bouger les choses. On doit faire bouger nos artistes. Je compte vraiment sur vous. Il n'y a pas trop parlé. Je suis venu juste vous dire, c'est maintenant, dans 4 petits jours, quand le mercredi passe, à Gaza Gaza est là. Voilà. Cependant, on va parler d'Ariel Sheneti Jarafat. Voilà. Moi, vous voyez, on dit que je suis le mec, j'aime créer les discords. Moi, ça me fait rire. Moi, je réagis quand je vois foutaise. Je réagis quand quelque chose ne me plaît pas. Je réagis quand il y a à féliciter, je félicite. Voilà. Moi, mon soir, vous savez, c'est quoi? Je souhaiterais que, avant 2019, que tous ces acteurs du coupé décalé là se réunissent, s'unissent. Honnêtement, parce que, mine de rien, on en a marre. Hein. Vous pensez que ça nous plaît, mais on en a vraiment, vraiment marre de voir que Ariel Sheneti, on parle avec son truc, son mentor, Didier Arafat, qui en veut à Serge Beno, qui n'est pas content de certains actes vis-à-vis de Didier Arafat, de Bordeaux et tout ça, de Bordeaux qui en veut à Serge. Franchement, on en a marre. Moi, perso, quand j'ai regardé Simpa de Ariel Sheneti, j'ai vu Didier Arafat. Le petit, il a copié tout chez son mentor, c'est-à-dire, tellement qu'il aime son mentor, il a tout copié chez lui, de la gestuelle jusqu'à la manière de chanter. En tout cas, quand c'est dans le coupé décalé, dans le style coupé décalé, c'est du Arafat qu'on voit. Et puis, je sais que ce pays-là, il n'en veut aucunement à Didier Arafat. C'est peut-être Didier Arafat qui est tellement fâché qu'il n'arrive vraiment pas à vraiment lui pardonner que ça dure, ça perdure, quoi. Sinon, franchement, moi, j'ai mal quand je vois ça. J'ai dit, Didier Arafat, tu peux pas donner un gros héritage comme ça à ce petit-là et puis tu vas le laisser. Même s'il est plus sur ta coupole, il peut demeurer ton petit. Et il est ton petit. Lui-même, il le sait. Moi, je viens demander l'union. Je vais me faire encore insulter. On viendra me dire que Ariel Sheneti, c'est un Judas. On viendra me dire que Arafat aussi, il exagère. Mais les gars, ça dépend de vous. Rappelle-toi, Didier Arafat, ils ont parlé comme ça de toi et de Bordeaux. Jamais vous allez vous réconcilier. Mais vous, vous êtes réconcilié là, c'est aller où? On est avec ça, on suit. N'écoutez pas ces fans-là qui sont toujours là prêts, d'accord, à accepter discorde entre deux artistes. C'est choquant pour moi. Moi, perso, ça me dépasse. C'est des choses que je ne peux pas accepter. Honnêtement, ça va durer jusqu'à quand, ces guéguerres dans le coupé décalé, dans cette musique ivoirienne-là. Ça va durer jusqu'à quand? On en a marre. Moi, je viens à Algérie réconcilier, vraiment réconcilier pour de vrai avec Didier Arafat. En fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai regardé Simpa. Et je regarde Simpa. Si vous voulez partir, regardez Simpa. Et puis regardez la manière de faire dans le clip de Ariel Sheneti. Tout c'est du Arafat. C'est du Arafat. C'est-à-dire, il a tellement aimé le mec que il fait comme lui. Il fait comme lui. Ariel Sheneti. Il est Ariel Sheneti lorsqu'il est dans ses histoires de ghetto, sommet, ça c'est du Ariel Sheneti. Mais dès lors qu'il veut s'amuser à faire du coupé décalé, c'est du Arafat. Les mots, les expressions, la façon de chanter, la gestuelle, tout Arafat.
Donc ça vous coûte quoi? Dit bon, c'est vrai, mon petit, tu as déconné. Grand frère, toi aussi, tu as mal pris le problème. Entrons dans l'âge de guerre, laissons ça, avançons. Ça vous coûte quoi? Rien du tout. Mais l'orgueil va vous tuer, l'orgueil va vous tuer, l'orgueil va vous tuer, va vous détruire. Ça sert à rien d'être orgueilleux pour rien. La musique ivoirienne n'a pas besoin de ça, Didier Arafat. Pourquoi tu te réconcilies pas avec bébé Philippe? Pourquoi tu te réconcilies pas avec tous ceux avec qui tu es en discorde? Je te jure que ça va t'aider grandement, énormément pour la suite de ta carrière. Les gens pensent que tu es fini. Non, tu n'es pas fini. Et moi, je connais le problème. Le problème, c'est ce que je suis en train de dire là. Il y a un peu trop de discorde autour de toi. Tu en parles avec celui-là. Tu en parles avec tel. Fais tabula rasa. Table rase, quoi. Laisse tout ça là. Et mets-toi au-dessus. Tu restes Didier Arafat. C'est ce que tu dois comprendre. Tu restes Didier Arafat. Ça ne va rien changer sur toi. Tu fais 10 concerts dans l'année, les 10 concerts seront remplis, ça on sait. Mais pardonne maintenant à ton petit. Pardonne à tous ceux avec qui tu es en de mauvais termes. Rends-toi petit de chez petit. Prends les histoires de venir demander pardon ou bien réconciliation. Et puis on sait un peu un néo-teint dans ton langage là. C'est pas ça qu'on veut. Faut te rendre petit. Ça va te rendre 50 fois, 100 fois plus grand. Vieux père, Dieu t'a donné le succès. Dieu t'a donné le succès. Mais tu ne maîtrises pas tout. Rien ne dépend de toi. Tout dépend de lui. Lui, ce Dieu-là, tout dépend de lui. Tu ne maîtrises pas. J'ai pas envie de dire que tu connais rien, mais tu ne maîtrises pas. Pense pas que tu maîtrises. Fais-toi petit. Et puis tu vas voir la magie. Tu es encore trop jeune. Il y a ce que tu as accompli en un laps de temps. Tu es devenu comme une légende vivante. Arafat s'est diminué pour l'avancée de la musique ivoirienne. Wallahi. David Homme n'aura plus cœur. Wizkid n'aura plus cœur. Même Fally, ils n'auront plus cœur. Parce que tout est là pour que tu sois multi-multi-milliardaire, célèbre de chez célèbre. Vous les fans aussi là, arrêtez ça. Arrêtons ça là. Arrêtons ça un peu. N'encourageons pas tout et n'importe quoi. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. S'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça dans notre mouvement. Moi, je veux qu'Ariel Chiné se réconcilie avec Didier Arafat. Petit, toi-même aussi, oh. J'ai l'impression que tu te donnes du genre. Peut-être que je me trompe. Mais il faut chercher à résoudre ça. Cherche à résoudre ce problème-là avec ton mentor. Ça va l'aider. Ça va t'aider aussi. J'avais dit plus que ça. Mais je préfère m'arrêter ici. Et j'espère que mes quelques mots que j'ai employés dans cette longue vidéo-là vont vous interpeller. Que Dieu vous bénisse. Je reste et je demeure votre âme serviteur et héritoire. Ciao, ciao les amis. À demain.